Il ne reste qu'une solution. C'est de contacter la Terre par relais pour prévenir Interplan Ouest et le général Tretton de la situation. Vu les circonstances, ils nous enverront sans doute une fusée de communication contenant un duplicata du disque. Il y en aura pour combien de temps? Je n'en sais rien. Ça peut se faire tout seul comme ça peut prendre 2 ou 3 jours. Le seul problème, il se peut qu'il y ait un impératif de sécurité. Le général Tretton ne tient peut-être pas à ce que notre roquette se balade sur les ondes, ou n'importe qui pourrait la capter avec un récepteur ordinaire. Dans ce cas, il peut décider d'ignorer purement et simplement ce message. Si c'est comme ça, autant faire nos bagages et partir tout de suite. Partir comment? Les fuseurs. Il n'existe ici aucun autre moyen de locomotion que des fuseurs sans carburant. Essayez à tout hasard de joindre le relais. Vous l'obtiendrez peut-être du premier coup. Pourquoi pas? Rien? Rien. Le transmetteur ne marche pas. Quoi? Qu'est-ce que cela signifie? Comme nous n'émettons rien, pas de danger qu'ils nous reçoivent. C'est une combine, un piège. Vous parlez sérieusement? Vous pensez que tout a été voulu? J'y suis. Oui, je comprends ce qui s'est passé. C'est grave? Quand le satellite a reçu mon signal pour déclencher le disque, il a envoyé en retour un autre signal. Un signal qui aboutissait ici. Et ce signal a coupé tous les circuits en annulant ma programmation. Nous ne pouvons plus ni recevoir ni émettre, quelles que soient les instructions que je donnerai à cette machine. Il faudra probablement un autre signal de satellite pour la remettre en marche. De quoi rêver? C'est nous-mêmes qui avons tout déclenché en transmettant notre instruction au satellite. Et en réponse, il a grillé tous nos circuits. C'est comme un coup foudroyant dans une partie d'échecs. Et c'est moi qui ai appuyé sur le bouton. Comme un rat dans une cage qui, au lieu de trouver le levier pour se nourrir, touche celui qui électrocute. Nous sommes complètement isolés. Ce qu'il faut, c'est élaborer une prière en commun. Émise à partir de la glande pinéale, elle devrait pouvoir passer si elle est courte. Je peux aider à la préparer, puisque je suis linguiste. Comme dernière chance. Pas comme dernière chance, comme méthode efficace et confirmée d'obtenir de l'aide. Monsieur Tolchif est bienvenu ici à cause d'une prière. Mais elle était transmise par relais. Pour nous, impossible de le contacter. Vous n'avez pas foi en la prière? Je n'ai pas foi en la prière qui n'est pas électroniquement amplifiée. Même Spektowski l'a admis. Pour être efficace, une prière doit être transmise électroniquement à travers l'ensemble des mondes divins, afin que toutes les manifestations soient touchées. Je suggère de transmettre notre prière commune aussi loin que possible par le moyen du rayon de guidage. Si on peut la projeter à 150 000 km d'ici, ce sera plus facile à la divinité de la capter, étant donné que la gravité opère en proportion inverse de la puissance de la prière. Autrement dit, si on arrive à propulser la prière à une certaine distance d'un corps planétaire, et 150 000 km c'est raisonnable, en ce cas, il existe mathématiquement pas mal de chances pour que diverses manifestations la reçoivent. Il est contraire à la loi terrienne de douter du pouvoir de la prière. C'est une violation du code civil en vigueur à tous les niveaux et dans tous les secteurs d'Interplan Ouest. Et vous ferez un rapport? Personne ne doute de l'efficacité de la prière. Nous sommes simplement en désaccord sur la meilleure méthode pour l'utiliser. J'ai besoin d'un verre. Au revoir. Bonne idée. Je crois que j'y vais aussi. C'est affreux, vous ne trouvez pas? Je n'arrive pas à croire que le général Tretton ait tout monté. Ce doit être une erreur. Une panne électronique dont on ne sait rien. Vous ne pensez pas? À ma connaissance, le général Tretton est un homme infiniment honorable. À quel aspect de la divinité adressons-nous la prière? Si vous voulez que le temps se réenroule jusqu'au moment qui a précédé notre recrutement ici, il faut choisir le psychofaçonneur. Si nous voulons que la divinité intervienne en notre faveur pour nous remplacer collectivement dans cette situation, ce sera l'intercesseur. Si nous désirons chacun une aide individuelle pour nous en sortir, ce qu'il faut, c'est demander à Monsieur Tolchif d'énoncer la prière, puisque la dernière qu'il a faite lui a réussi. Il saura choisir les mots voulus. Trouvez Tolchif. Il doit être en train de décharger ses affaires de son fuseur. Qu'on aille le chercher. J'y vais. Pourquoi y a-t-il une toile de lumière? Pourquoi ne suis-je pas là-bas à jouer mon rôle en tant qu'élément du groupe? Ce groupe humain n'en est pas un. Il n'est qu'un assemblage d'individualités en conflit les unes avec les autres. Tolchif? Oui? Qui est-ce? Mon relais.
Ils m'ont envoyé vous chercher. Ils veulent que vous composiez la prière, puisque la vôtre a été couronnée de succès il y a quelques jours. Plus de prière pour moi. Regardez le résultat. Être ici coincé avec vous, je ne dis pas ça pour vous vexer, c'est tout simplement que... C'était inhumain et cruel d'exaucer cette prière, considérant la situation. La divinité aurait dû le savoir. Je comprends vos sentiments. Pourquoi pas vous? Vous venez de rencontrer le marcheur, vous feriez l'affaire. Je ne suis pas doué pour les prières. Je n'ai pas invoqué le marcheur, c'est lui qui est venu à moi. Un verre? Et puis vous pourriez peut-être me donner un coup de main pour débarquer mes bagages. Et il faut que je m'occupe des miens. C'est une attitude coopérative. Si vous m'aviez aidé,